Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour une vidéo de Forge Magie. On va commencer avec quelques petites tentes APM d'un abonné voilà, qui voulait qu'on passe une quinzaine de runes sur des items à lui. On va tester ça. Ce serait sympa si on pouvait avoir un petit exo qui passe en début de vidéo comme ça pour quelqu'un d'autre. Ça fait toujours plaisir. Bon, les jets ont l'air d'être plutôt moyens, on va dire, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours sympa d'avoir un PM sur un anneau qui passe. Ouais, on est vraiment sur des anneaux assez variés, d'accord. D'accord. C'est parti. Allez, il n'y a plus qu'à espérer qu'on ait un truc sympa. Alors, ici, non. Ici, non. On a commencé par le piloster. Hein. Hop. Non plus. Non plus. Bah, de toute façon, on va faire les 15 et on arrivera au bout des runes. Ah, je lui souhaite qu'il y ait un truc qui passe. Moi, sur ce genre de jet, je serais quand même d'avis à mettre plutôt des PA que des PM. Hein. En général, les PM, c'est plus optimal. Ah bah. Pas mal, pas mal. Un PA c'est quand même mieux que quand il n'y a pas d'exo pour 100 res ou d'exo d'overvita, un truc comme ça. Moi je préfère mettre un PA, c'est plus optimal quoi. Après, bon, de toute façon, sur des jets comme ça, voilà, si ça lui fait plaisir. Donc, apparemment, il était en galère. Il m'a dit que ça faisait plus de 400 tentatives qu'il avait rien. Bon, on va quand même continuer, hein. Des fois qu'on en a un deuxième qui passe. Moi ça n'arrive jamais sur mes items, mais sur ceux des autres, hein, on passe toujours des petits trucs. Ok. Ok, le petit double exo. Bon, encore une fois, dommage que ce soit sur des jets comme ça, quoi, mais bon, c'est quand même. Je pense que lui, ça doit lui faire sacrément plaisir. S'il était en période de galère. C'est pas la première fois que je passe deux exos d'affilée, mais là c'est quand même assez atypique. Bon bah allez, on continue, j'ai envie de dire. Hop, ah, troisième, ça aurait été un peu forceur. Ah, je serais même pas étonné qu'on en ait encore un avant la fin là. Non, allez là-dessus, petit dernier. Je crois qu'il n'y avait que 14 anneaux, hein. Ouais, il y en avait 14. Ah, j'ai trop de skills, c'est pour ça. Cliquer sur une rune sans rien faire d'autre, moi je suis trop doué pour ça. Voilà, bon bah écoutez, petit début de vidéo, plutôt original. Double crit, double exo. Enfin double, c'est pas un double exo, c'est plutôt deux exos consécutifs, mais c'est quand même assez stylé. Voilà, bah, tant mieux pour cet abonné, ça va lui remonter un peu le moral s'il était en galère et qu'il s'est bouffé 400 échecs. Là, ça remonte un petit peu le. Ça rééquilibre un petit peu les choses. Allez, on passe à la suite. On enchaîne avec une lance orcelée qu'on va essayer de faire en jet perf over repou. On a un jet là qui est à peu près correct. Je vais pas être ultra pointilleux sur les lignes, hein. Je vais tolérer le 78, le 344 parce que là c'est vraiment pas facile à faire et sur juste un puits un veau c'est très léger. Donc. Ah bah voilà, s'il y a déjà plus de puits, il va falloir y aller en brisage PA, je pense, on va faire au mieux. Est-ce qu'on a un petit PA là-dessus? On n'a pas de PA. 27 de puits là-dessus, bah c'est parti, allez, on va commencer la vitalité, là. Bon, on a les 40 de sagesse. Mais bon, voilà, déjà moins 20, là, moins 20 ici, c'est plié, hein, concrètement, c'est pas évident. Petit PA peut-être? Non plus. 21 de puits là-dessus donc, et il va falloir faire un petit overagi, j'ai passé une rune ravie en crit juste après avoir fait tomber l'invo. Est-ce qu'on a une... Si on peut passer ça... Ah, ça c'est cool ça. Et je suis con parce que j'aurais dû le garder pour la fin en fait. Ouais, ça c'était pas très malin. Bon, tant pis. J'enlève l'over, mais j'aurais dû le garder à la fin. Ça aurait été un peu plus optimal sur le FM. Moins 6. Bon, c'est pas dit pour autant que j'arriverai à terminer le truc. Je vais commencer par le retrait, mais bon, de toute façon là il va falloir soit du crit. Ouais. Allez, on tente le PA. Non plus. 25 de puits là-dessus, ça va être compliqué. Il va falloir partir en overvita. Je vais garder la vita pour la fin du coup. On va commencer par la J. Qui crit. Ok, c'est bien. Je le sentais venir le crit un petit peu. Ensuite, la passa. Bah voilà. Une passa qui vous respecte pas, c'est la fin du FM. Je crois qu'il n'y aura pas d'autre option que de péter un PA là-dessus concrètement. Toujours pas passé. Repassage PA sur une amulette Volcorn, donc avec un super G. On est ici en moins 1 vita, moins 2 sagesse. Alors juste avant, il a eu une tentative en perf, hein, il avait vraiment les lignes parfaites. Avec les 3% terre, c'est pas passé, je lui souhaite vraiment que ça passe ici. Allez, il le mérite. Oh là là, quel dommage. Quel dommage. Allez, un peu de persévérance, on va dire que ça passera sur un 4% et le karma sera rentable. 26 de puits là-dessus, bon ça va pas être évident, il va falloir commencer par la vita que je vais remonter comme je peux.
Ok, on a moins 6. Ça passe pas ici. Bah, moins 26. Voilà. Fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut avoir un petit crit peut-être sur le retrait PA ici? C'est chaud. La limite, si je peux arriver à 12 de crit en crit. Ouais, si je peux repasser ça. Là, c'est vraiment un jet que je vais faire pour pouvoir jouer assez rapidement. Donc, je vais pas chercher trop loin non plus. Limite, si j'ai l'invoque là-dessus. Ouais, non, ça passe pas. Est-ce que je tente le PA du coup? Bah non, je ne le tente pas ici. 25 depuis là-dessus. Alors, on va commencer bien sûr par les raises neutres. Si ça peut passer, ok, on a un moins 6. On a un moins 11 ici. Le retrait PA ensuite, incontournable. Ok, moins 7. Ça nous laisse 7 depuis. Je vais tenter la Vita, je pense. On va essayer d'aller chercher les 350. Ça aurait pu passer. C'était un tout petit peu ambitieux, mais ça aurait pu. On a donc une tenta sur les répoux qui ne passe pas. Et là, on a plus de puits. Je vais essayer de remettre l'invo. Est-ce qu'on a une invoque là-dessus? On n'a pas d'invoque, alors je vais tenter. Est-ce que je tente le PA? Ouais, je vais tenter le PA, tiens. Hop, tant qu'on y est. Et non. À nouveau 25 de puits là-dessus. Alors là, par contre, il va falloir clairement. Oh, il va faire alors over Vita, over Agi. J'y crois pas une seconde que ça passe. Edouard, c'est toi qui balance les faits. Va crever, putain. Je vais mettre le. Oh, là, il y a beaucoup trop de choses à passer. On va essayer d'utiliser le puits comme on peut, mais. Allez, on a combien? On a moins 5, on a moins 18, on a déjà plus de puits. Allez, PA. Non plus. 27 de puits là-dessus. Bah, encore une fois, on a un jet un peu hybride là, ça va être complexe. On va commencer par le retrait PA. Ok, moins 7. Les raises. Ça passe. Ok, c'est pas trop mal. On a eu moins 7, on a eu moins 12. Il nous reste 8. Ah, tu sais qu'avec 8, on va pouvoir aller bien loin. Hein. Je vais tenter un crit à la ravie, peut-être. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Je vais en tenter un deuxième. Ah! Et là, par contre, c'est pas mal en vrai. Enfin, c'est pas mal. C'est pas ouf. C'est même un peu moyen. Mais en termes de jet provisoire pour tester sur un annu R retrait, si on a l'invoque, je valide. Bam! Et même, on a eu un moins 7 ici sur la sagesse. On a eu moins 7. Là, on a eu plus 2. On a 3. Donc, normalement, je peux tester une pavie. Et ça passe pas. Mais vous voyez, j'ai bien compté. Ok, nickel. Donc, on arrête là pour ce petit truc. Il va falloir. Si je valide, donc je redis, hein, c'est pour un Anutroph R retrait PA. Si je valide que l'Anutroph me plaît en colis, je ferai peut-être vraiment une session d'FM beaucoup plus poussée en allant chercher un vrai G. Parce que là, c'est quelque chose de provisoire juste pour tester, hein, bien sûr. Donc, on en reste là pour cette petite lance orcelée. Donc, 3 tentes à PM pour ces items d'un abonné. À tous les coups, vous allez voir que c'est sur la scène que je vais passer le PM. C'est tellement classique. Ouais. Ça m'aurait tellement pas étonné, quoi. Je crois que la dernière fois, c'est à lui, je vais passer 2 exo PM d'affilée. Hop, et non, pas de PM. Encore 3 tentes donc pour cet abonné. Allez, on est parti. Bac Triton pour commencer. Pas de PM, anneau crustique. Il me fait quoi comme jeu? Il nous faut des trucs à peu près corrects avec un mini overvita. Il est sûr quelque chose d'assez similaire à ce que je suis en train de faire. Et un fond marin qui ne passe pas. Alors, Tenta Exo pour un abonné ici. On va mettre PM sur son anneau ici. Il en a 3 des chevelus à faire apparemment. Ça passe pas, ça passe pas. Le dernier. On est sur du 4 d'eau, mais les jets sont quand même assez soignés. Alors on a un petit lag avec, hein, au cadeau. Ensuite. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Justin. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a partout sauf un truc où il y a un over, ok. On va partir là-dessus. Là j'ai mon YouTube qui fait nimp. Bon, je vais voir ça après. Alors PA là-dessus, non. PA là-dessus, non.
Et là-dessus. Non plus. Et là-dessus. Non. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce soir, on va pas passer beaucoup d'exos quand même, hein. Toujours pas. Alors, c'est sur lui qui voulait un PM, je pense. Overvita. Pas de PM. On revient sur des PA du coup. Non plus. Tant pis. Oh yes! Yes, le petit PM qui passe. Eh, ça fait plutôt plaisir tout ça. Vous en pensez quoi là? Bon, bah, on s'en sort pas trop mal, hein. Je crois qu'on était. J'avais quoi? Je devais avoir 37 ou 39 runes. Donc on a dû en claquer 27 ou 25 je crois, donc on est quand même pas trop mal. Le G est pas dingue, le G est pas dingue mais il est jouable, voilà c'est ce que je voulais. Donc on a un mini Overvita, on a une CSGS qui est, je sais, faible, pour moi qui prends normalement du 38 CSGS mini pour un item à 40 CSGS, mais c'est pour tester un mode. La prospection on s'en fout, le tacle on s'en fout parce que c'est pour du steamer 2 poux. Les 2 poux sont là, parce que j'ai vu plein de trucs qui sont à 14 de poux, mais si vous jouez en mode 2 poux, vous prenez pas un item à 14 de poux, vous allez chercher les 15 quoi. Donc on a les 15 de poux, on a les 2 lignes à 7%, on a surtout les 10 esquives PA, donc on a un G quand même qui est pas trop mal, hein. Et on a les 18 de cri, on a un tout petit Overvita, bah franchement je suis bien content pour ce PM. Juste depuis tout à l'heure là je suis en train de me dire, allez je fais l'attentat ou je vais chercher mon thé qui a fini d'infuser. J'ai bien fait d'attendre l'attentat, je vais bien savourer mon petit thé maintenant, je peux vous le dire. Bon bah voilà, voilà pour ces petits PM. Et je pense aussi que ça aura conclu la vidéo de FM que je vais vous faire que je vous aurai faite de compilation. Donc c'est la fin de cette vidéo FM également. Bon je vous dis ça pendant un live, hein, paniquez pas dans le chat, hein, c'est pour vous faire mon petit montage plus tard. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous. À bientôt.